Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo. Comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Giovanni Magie. Giovanni Magie, alors qu'ici c'est l'hypnotiseur magicien. On a déjà fait des vidéos ensemble, vous pouvez aller voir, tout est dans la description. Et je vous mets un court extrait de nos vidéos qu'on a fait ensemble maintenant. Je pars sans tout, vas-y, attends. Je suis sur Mars, sa mère. Regarde la petite Martienne, la fille coucou, fais coucou. Arrête! Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les Martiens? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais piéger un escroc sur le bon coin. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc on va mettre une Play 5 sur le bon coin en disant qu'on l'a trouvé et qu'on veut retrouver le propriétaire. J'ai reçu énormément d'appels. Et parmi tous ces appels, même un peu trop, et parmi tous ces appels, on a désigné une personne qui va venir et qui va récupérer la Play 5 qui n'est bien évidemment pas à lui parce qu'en fait, c'est la mienne. Donc le mec qui vient là, c'est un escroc et il veut juste carotte une Play 5. Giovanni, pourquoi il est là? Parce que vous avez été nombreux à le demander. C'est un hypnotiseur et il va hypnotiser l'escroc. Donc je vous laisse regarder la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et à bientôt. Ciao. Voilà les amis, donc je viens de mettre l'annonce sur le bon coin comme quoi j'ai trouvé une Play 5 et que je voulais la rendre à son propriétaire. L'annonce vient d'être validée à l'instant et j'espère qu'on va bien rigoler. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce. C'était la vôtre? Oui, c'est la mienne. Mais non, c'est pas vous qui l'avez retrouvé, c'est moi qui l'ai retrouvé. Ah oui, j'ai vu, je l'ai retrouvé sur le banc, sur le site, quoi, sur la main. C'est la Play 5 standard ou celle avec le CD? Avec le CD. Avec le CD? Oui. Non, parce que moi, celle que j'ai retrouvée, elle est sans le CD, justement. Édition digitale, quoi. Enfin, je veux dire, y a pas le truc de la Play 5. Allez, vas-y. Ça appelle, ça appelle. Oui, allô? Oui, bonsoir. Je savais qu'on avait suivi sur le bon coin pour la PlayStation 5. Et du coup, alors, comment on fait pour que je vienne la chercher? Si vous avez pas le ticket de caisse, ça va être compliqué, monsieur. Hein. Mais dis-moi, je vais t'expliquer quelque chose, mon pote. C'est ma PlayStation 5, la PlayStation 5, je vais payer, tu vas me la rendre 600 euros ou tu me la rembourses, tu vas me la PC. Te prends pour qui, toi? Elle va dormir, frérot. On va dormir. Vous allez porter plainte avec moi? Oui, va. Va porter plainte. Allô, oui? Oui, bonjour. Je vous appelle car j'ai vu votre annonce sur le bon coin. Voilà. Et moi, il y a deux jours de ça, j'ai eu un cambriolage chez moi. Ah. Et justement, j'ai reconnu la PlayStation. Moi, on est venu chez moi et on m'a volé le chien aussi. On m'a volé tout chez moi. On a volé le chien et on m'a volé mon chien, j'avais un chihuahua et t'as ma femme. Là, je suis tellement heureux là quand on les retrouve. Allez, ça va, frérot. Ça va, ne pleure pas. Pleure pas, frérot, pleure pas. Détends-toi, ne pleure pas. Je te la rendrai et je t'envoie le message tout de suite, ok? Allez, de rien, poteau, de rien. Allez, calme-toi. Vous voyez comme quoi les gens, ils sont incroyables. Et lui, c'est un acteur. Lui, j'y donne rendez-vous direct. Donc là, je vais envoyer l'adresse par message. Il va nous rejoindre et on va aller rejoindre Giovanni Magie pour lui faire la pire des sentences. Ciao. Bon les amis, là pour ce tour, je suis avec Giovanni hein, qui va hypnotiser l'escroc qu'on attend. Et il y a aussi Amai. Voilà, le frérot est là. Amai aujourd'hui il va faire le caméraman parce qu'on n'a pas de caméraman. Et en plus il fait un temps de merde. Donc grosse force à Amai qui va filmer. Je vais subir. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que le mec vienne parce qu'on lui a donné rendez-vous ici. Et quand il va venir, Amai va le filmer et Giovanni va tenter de l'hypnotiser en espérant qu'il soit réceptif à l'hypnose. Ouais. Voilà. Allez. Bon visionnage à tous, on l'attend. Frère, du coup, quand tu es au téléphone, il avait l'air comment? Au téléphone, il avait l'air. Alors, avec toi, est-ce que. Appelle-le, demande-lui où il est, tu as son numéro de toute façon. Ouais. Appelle-le, demande-lui où il est, frérot. Allô? Oui, bonjour, c'est pour la Play 5. Ça va où vous étiez? Et dans combien de temps vous étiez là? Un petit peu. Parce que là, il pleut, et donc on a un petit peu froid. Donc, on se dépêchait un petit peu.
Ok. Vous êtes habillé comment? Ok. D'accord. Ça marche, à de suite. Il arrive dans combien de temps? Il y a 5 minutes là. Allez, ça va. Et tu vois, l'avantage, frérot, à la voix, tu vois, en gros, il avait l'air très, genre, pas sûr de lui. Ouais, ouais. Et en fait, ce côté pas serein, c'est en gros que peut être facilement. Ok, hypnotisable, ok. Ouais, parce qu'en gros, tu vois, si le gars, je dirais direct, il fait des vénères ou quoi. Ouais, ouais, ouais. Eh oui. Pour moi, eh là, oui. Là, il était docile, assez docile. Ouais. Ok. Bah écoute, on l'attend et on voit. Ouais. Hein. Donc là, on attend apparemment le maire qui est là dans 5 minutes. Il a donc, on attend qu'il arrive. On va voir. Bon. Je sais pas, frère, parce que j'ai pas vu, j'ai pas sa photo, moi. Ouais, je pense. Ouais, lui, c'est bon. Ah ouais. Ça va, mec? Ça va, bon. Tranquillou? Tranquille? Ouais, impeccable. Yes. Ouais, c'est top pour la PlayStation. Ouais, c'est moi, ouais. Ok. C'est super. Eh ben ouais, on l'a retrouvé, tu vois. Bon, là, comme il pleut, on l'a laissé la Play dans la voiture. Du coup, ben écoute, gros. Ah, merci, on a retrouvé ta Play. Écoute, John, c'est ça? John, ouais. C'est ça. Tu viens d'où, John? Tu viens d'où? À côté de Marseille. Ok, ta PlayStation, t'as des couleurs? Blanche. Dors même pas. Tu l'as. Il est endormi? À mon compte de 3. C'est un complice, frère, arrête de m'emboucaner. À mon compte de 3, ton réveil, tu vas récupérer qu'il puisse coller au sol, ça sera pour toi ton réveil impossible de marcher. 1, 2, 3, réveil. On est collé au sol. Allez, viens, John, on y va. Allez, viens, on va prendre la Play 5, frérot. Allez, Elise, c'est là, regarde, 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 le top. Il va bouger, ouais. Comment tu vas bouger? Bah, je sais pas, frère. T'as mis quoi? T'as mis de la colle sous les chaussures ou quoi? Non, 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 je peux pas bouger mes jambes là, j'ai l'impression. Allez, viens, viens, allez, gros. Mais t'es sûr, mais. Ouais, je suis collé. Incroyable. Eh, attends, lâche-moi, frère. Je suis collé, frère, il est collé. Mais ça fait quoi? T'as ta main là, regarde ta main là comme ça. Ta main comme ça. La main est collée maintenant. Collé maintenant. T'as fait quoi, wesh? On se casse. Tu me laisses comme ça. Là, c'est pas comme ça, wesh. Attends. Eh, frère. T'as play. La Play 5, c'est ta Play, on est d'accord? Ouais. Bon, ben voilà, bon, on va lui rendre sa Play, frère. Mais pourquoi il arrive pas à marcher? Je suis collé là. Comment, gros, t'as fait quoi? Regarde-moi. À mon signal, tu vas décoller, mais tu auras vu ce qui s'est passé maintenant. Ça va, John? Ouais, ça va. Moi, j'ai l'impression que notre ami nous prend pour des pigeons, frérot. Même pour un poulet, tu vois. Pour un poulet, tu me prends pour un poulet. Non, je t'en boucane, frérot, je rigole, non, ça non. Va, tu es sérieux? Oh, on va aller prendre la Play, t'inquiète. La dessin qui partait là, tu vois. Regarde, dors maintenant. Extraordinaire. À mon compte de 3, tu verras que tu auras les gestes, les bruits et les mimiques de la poule, à ton réveil, tu seras une poule. 1, 2, 3, réveil. Allez, John, viens, on va chercher la. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a? Oh, il fait peur tellement! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, frère? Qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qu'il a? Ça va, calme-toi! Attends, calme-toi! Giovanni, rendors-le, frère, rendors-le! Fais quelque chose! Regarde, Dors maintenant. Incroyable. Gros, c'est un complice ou pas? Dis la vérité. Est-ce que c'est un complice ou c'est un vrai mec? C'est que tu me prends pas à moi là. Mais tu me prends pas à moi, t'es sûr? Ah, gros, c'est incroyable. Fais comme s'il avait un balai dans le cul. Et il marche comme s'il avait un balai dans le cul. Tu vas marcher comme si tu aurais un balai dans le cul. Mais rentrer en entier. Ah ouais. 1, 2, 3, un bon balai. John, ça va, frérot? Du coup, là, viens, coup, elle est pas là-bas, la plaque. Ok. Mais qu'est-ce que tu as, frère? Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu marches comme ça? Viens, elle est là-bas la voiture, Jojo. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as un truc dans le cul, frérot. Non, ça va. Tu as mal au cul, quoi? Ah, c'est pas fort. C'est bizarre. Et vous êtes... John, est-ce que c'est ta Play? Est-ce que c'est ta Play? Quelle Play? Oula, endors-le, frérot. Ça va, John? Ouais. Dors. Oh, il se rappelle plus de rien, frérot. À mon compte de 3, ton réveil sera plus fort que toi. À ton réveil, dès que j'irai le mot stylo. Au mot stylo, tu auras une envie irrésistible de branler le poteau que je te montrais. Tu vas le séguer comme jamais. Non. 1, 2, 3, réveil. Impossible. Regarde-toi ça, stylo. Oula. Oh non. Mais non. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, frère, c'est devenu Pornhub. Toi, tu fais 3, on se casse, on rentre. Tu vas le laisser comme ça? Quoi, il se réveillera dans combien de temps? Tu vas te réveiller tout seul dans une heure. Oh, tu laisses comme ça une heure? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, il se branle le poteau. Oh, mais tu te régales. Il m'écoute pas? Il se régale, frère. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait? On se casse. C'est un complice, tu m'emboucanes. C'est toi qui l'as appelé, c'est pas moi, frère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu te régales, frérot? Tu veux laisser comme ça? Vas-y. Ciao, ouais, poteau. Régale-toi, hein.
Régale-toi, frérot. Mais gros, c'est incroyable. Mes frères, ça fait un quart d'heure qu'on est là, il s'est pas arrêté, il se régale. Il ségue le poteau, frère. Gros, c'est n'importe quoi. Gros, tu devais serrer, non, derrière la caméra. Ouais, franchement, il a rendu partout.